Salut fraternel de la Libre Pensée de Lyon, notre association laïque et pacifiste. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Oui, je remercie l'intersyndicale FO-FSU Sud Éducation CGT, les associations humanistes et laïques, l'Assemblée Populaire d'Auxerre, les Gilets jaunes, vous toutes et tous réunis ici pour la défense inconditionnelle de nos libertés fondamentales et pour la défense de la laïcité institutionnelle. Vous savez, oh, je le dis un petit peu de temps en temps, la liberté, c'est un peu comme la Sainte Vierge. Il nous faut quelques apparitions de sa part, sinon on commence à douter. Or, dans notre belle République, actuellement, le champ des libertés se rétrécit inexorablement en raison des lois liberticides promulguées par ce gouvernement macrono-lepéniste. Il suffit d'essayer d'organiser une manifestation pour le comprendre. Ayant demandé un rassemblement devant la préfecture, suivi d'une manifestation, nous nous sommes vus refuser de manifester par le préfet. Puis c'est le rassemblement devant la préfecture qui était interdit pour être relégué sur l'esplanade de l'Arquebuse. Finalement, les différents services préfectoraux nous ont fait échouer ici, sur cette pelouse bucolique et surtout à l'abri du regard oblique des passants honnêtes. Je fais du Brassens. Mais quand même, on a un certain nombre et on ne se démobilisera pas. Mes chers amis, nous sommes ici réunis pour l'abrogation, pour le retrait total de la loi dite sécurité globale, dont les différents articles constituent un arsenal redoutable visant à entraver la liberté des citoyens, notamment celle de manifester et à museler la liberté de la presse. Tout d'abord, les articles 20, 21 et 22 banalisent l'utilisation des caméras piétons, de la reconnaissance faciale, des drones. Toute cette technologie permettrait une surveillance étendue et intrusive, faisant peser des risques immédiats sur le respect de la vie privée et la liberté de manifester. Ces mesures nauséabondes ne sont pas sans rappeler l'univers totalitaire décrit par George Orwell dans son livre 1984 et son Big Brother is watching you. Parmi les autres mesures envisagées, la privatisation de la police en déléguant aux agents privés de sécurité des pouvoirs jusqu'ici réservés à la police judiciaire, c'est l'article 7. L'élargissement du champ d'intervention des polices municipales de plus de 20 agents qui pourraient exercer des missions relevant jusqu'à présent de la police nationale, c'est l'article 1. Et puis, il y a cet article 24 qui muselle la liberté des journalistes en pénalisant la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. Dès lors, les journalistes ne pourront plus exercer véritablement leur métier dans les manifestations. Ils ne pourront plus photographier et filmer librement, ni montrer et relater objectivement. C'est un retour en arrière considérable par rapport à la loi de 1881 portant sur la liberté de la presse. C'est une attaque gravissime contre le droit à l'information. Désormais, plus d'images comme celle de cet invalide gazé sur son fauteuil roulant par un policier ou celle de cette septuagénaire poussée à terre par les CRS. Plus d'images comme celle de ces gilets jaunes éborgnés par des armes indignes de notre démocratie ou celle de ce camp de migrants sauvagement démantelé par les forces de l'ordre, place de la République à Paris. Devant le tollé provoqué par ces mesures, devant la foule des manifestants, Darmanin a promis une réécriture de sa loi scélérate. Nous ne sommes pas dupes. Cette loi, elle n'est ni négociable, ni amendable. Nous, ce que nous exigeons, c'est l'abrogation, le retrait total de la loi de sécurité globale. C'est en fait l'abrogation de toutes les lois liberticides commises par ce gouvernement en marche contre la République que nous exigeons.
Oui, abrogation de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Abrogation de la loi relative à la protection du secret des affaires. Abrogation des lois relatives à la manipulation de l'information. Abrogation de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Abrogation de la loi Vidal, pénalisant de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende les étudiants occupant une faculté ou organisant des piquets de grève. Avec cette loi Vidal, on revient en arrière sur 800 ans de liberté de franchise universitaire. Mes chers amis, la libre pensée tenait à organiser cette manifestation aujourd'hui, car pratiquement jour pour jour, il s'agit du 115e anniversaire de la promulgation de la loi de séparation des églises et de l'État votée en 1905. Cette grande loi laïque a encore aujourd'hui une portée considérable, tant pour les élus de la République que pour les citoyens que nous sommes. Toutes les personnes qui sont réunies ici, qu'importe sous quelle bannière, tout le monde est au courant que la liberté actuellement est attaquée par ce gouvernement, avec une dérive sécuritaire qu'on vit depuis quelques années. Nous, représentants syndicaux, on le vit dans les manifestations. Et dans Lyon, c'est vrai que depuis bientôt un mois, des rassemblements, des manifestations sont là pour rappeler notre attachement à toutes les libertés. Donc dans Lyon, effectivement, on avait commencé, initié par les Gilets jaunes, hein, rendons à César ce qui appartient à César, une manifestation qui avait quand même permis à plus de 150 personnes de se réunir. Puis il y a eu Avallon aussi, un week-end, et enfin à Auxerre, à l'appel de l'intersyndicale, on était plus de 200 ici. Même si à chaque fois, comme l'a fait remarquer Jean-Noël, on nous éloigne de plus en plus des centres symboliques comme la mairie et la préfecture, puisque je vous le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais la manifestation aussi de tout à l'heure a été décalée, ce ne sera pas devant la mairie, hein, ce sera sur les quais. Donc on a l'impression qu'on gêne. On gêne et pourquoi ? On rappelle des choses fondamentales, les bases de la République. Cette République évoquée dans tous les discours de ce gouvernement. Hein, et ils n'hésitent pas à inviter Jean Jaurès dans leur discours, Torres. Mais de qui se moque-t-on ? Et ici, personne n'est dupe que le fait de vouloir réécrire la loi 24 est largement insuffisant. Cette loi 24, effectivement, elle était symbolique. Elle est toujours symbolique, puisque je vous rappelle que cette loi a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Qu'elle va vivre son chemin, elle va aller devant les sénateurs. On se doute bien les amendements que les sénateurs vont pouvoir faire. Et puis, on nous a promis la réécriture en deuxième lecture à l'Assemblée de cette loi 24. Mais si on est ici, si on continue après ce mois et ces manifestations et ces rassemblements à être encore présents aujourd'hui, eh bien c'est parce que on veut le retrait global de cette loi. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on sera encore demain, s'il le faut, à manifester, à nous rassembler pour réclamer toutes ces attaques aux libertés fondamentales qui font la République. Alors si demain, effectivement, comme l'a dit Jean-Noël, parce qu'on est très attaché à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, et aussi à la laïcité, tu l'as rappelé, eh bien, nous serons encore là pour défendre ces valeurs qui nous tiennent à cœur, quel que soit le drapeau sous lequel on défile. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être aujourd'hui ici pour défendre ces valeurs. Merci à vous. La FNAC-FPFO a pris part à toutes les manifestations, aux puissantes manifestations organisées depuis quelques semaines pour exiger le retrait du projet de loi sécurité globale. En plus de son projet de loi sécurité globale et de son projet de loi confortant le respect des principes républicains qui met fin à la non-reconnaissance des églises par l'État et qui héberge le contenu récrié de l'article 24 du premier, le gouvernement a pris le 2 décembre en catimini trois décrets modifiant les dispositions du Code de la sécurité intérieure relatives au traitement des données à caractère personnel, dit prévention des atteintes à la sécurité publique. Vous avez dû en entendre parler, et je pensais important de le rappeler aussi. Ces décrets autorisent à afficher des groupements ou des personnes en raison de leurs opinions politiques et de leurs convictions philosophiques ou religieuses. Avec ces mêmes décrets, il sera possible de ficher une personne non plus pour activité syndicale, ce qui était déjà problématique, mais pour simple appartenance syndicale. Ce genre de fichier était interdit depuis la Libération. Si le gouvernement s'acharne à faire passer la loi de sécurité globale, c'est pour d'autant plus réprimer les mobilisations en défense des revendications, pour faire taire toutes les contestations et imposer d'autant plus brutalement aux salariés et à la jeunesse sa politique de destruction des droits sociaux. C'est ce qui s'est passé samedi 5 décembre dans la manifestation parisienne.
où la FNEC et PFO condamnent sans réserve la volonté du gouvernement d'empêcher l'expression des revendications et la violence perpétrée à l'encontre des manifestants, dont le cortège syndical a été bloqué, encerclé par la police et bombardé à outrance de gaz lacrymogène. De la même façon, et ça a été évoqué, on voit bien qu'au niveau de la préfecture d'Auxerre, les rassemblements qui sont interdits, qui sont déplacés, sont maintenant régulièrement mis en place. La loi de sécurité globale, loi sur les séparatismes, décret sur la prévention des atteintes à la sécurité publique, les libertés syndicales et l'existence même des organisations sont menacées. La FNEC-FPFO participe donc encore aujourd'hui à toutes les manifestations, appelle à les rejoindre. Et aujourd'hui, nous l'avons dit en intersyndicale de l'éducation dans Lyon, il n'y a pas que l'article 24 qui pose problème, la totalité de cette loi est néfaste. Elle remet en cause les droits à manifester, à contester, à exprimer tout désaccord avec la politique menée par le gouvernement. Elle s'attaque à nos libertés fondamentales, liberté d'expression, d'information, de manifestation. Et un nouveau cran est franchi après des années de répression syndicale et d'attaques contre l'expression d'opposition avec la loi travail, avec la loi du SOP qui fait disparaître les instances paritaires dans la fonction publique, avec l'état d'urgence, les violences policières contre les manifestants, les remises en cause de l'expression syndicale à tous les niveaux, les sanctions disciplinaires contre les militants. Aujourd'hui, avec cette loi, mais également avec la loi LPR qui a été évoquée tout à l'heure, loi LPR aggravée dans les universités qui rend passible de sanctions les mobilisations dans les campus, la dérive répressive s'accentue. Sans parler, je l'ai évoqué, des derniers décrets impliquant le fichage accru des militants. Ça ne peut plus durer. La loi sécurité globale doit être retirée dans sa totalité. C'est pourquoi nous avons appelé à rejoindre cette manifestation aujourd'hui pour le retrait de la totalité du projet de loi sécurité globale, contre toutes les lois liberticides, contre la loi sur le séparatisme, pour la défense de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, et pour toutes nos revendications. Et merci à la Libre Pensée et à tous ceux qui ont permis ce rassemblement aujourd'hui. Au nom du Parti communiste, je demandais à ce qu'on puisse faire cette déclaration. Partout dans le monde se développent des intégrismes, des mouvements politiques qui instrumentalisent des religions pour imposer leur vision réactionnaire ou leur visée totalitaire. Ces dernières années, notre peuple a subi les monstrueuses violences terroristes qui découlent des courants les plus radicaux. Ces réalités sont le témoignage d'un affrontement identitaire qui se développe sur le terreau d'une crise profonde que traverse l'humanité, marquée par les inégalités, les atteintes aux libertés, la marchandisation de tout. Cette crise est le produit d'un capitalisme prédateur à ce stade de son évolution. Et bien évidemment, le fascisme, revendiqué ou déguisé, relève la tête. Face aux menaces, ce qu'il faut rendre toujours plus fort, c'est la République et ses principes. La République ne doit surtout pas reculer ni se renier face aux dangers. Elle doit s'appliquer à accomplir jusqu'au bout sa promesse d'égalité, de liberté, de fraternité. Pour cela, elle doit permettre dans toute la société que se lève un mouvement populaire conscient du danger et décidé à ne pas se laisser faire. Ce n'est pas dans une fuite en avant liberticide que peuvent se trouver les issues. Le projet de loi du gouvernement dit de renforcement des principes républicains s'inscrit dans une séquence sinistre pour les libertés fondamentales. État d'urgence, sécurité globale, justice des mineurs, 54 articles traitant de sujets tellement divers qu'il ne manque pas de convoquer des associations d'idées, des amalgames qui devraient être pourtant combattus au plus haut de l'État et partout jusqu'au noyau communal et jusqu'aux citoyens. L'habileté consiste à aborder des questions qui peuvent parfois légitimement préoccuper, mais en déployant une logique de contrainte qui, de fait, pointe du doigt une partie de notre société, et je pense notamment aux musulmans. On y trouve notamment la volonté de modifier le cadre de la vie associative et de l'action des collectivités locales en permettant un interventionnisme discrétionnaire de l'État sur l'invocation des valeurs de la République. Demain, les super-préfets dans nos départements qui auront des pouvoirs quasiment illimités.
Ce projet de loi, qui pourrait aboutir de fait à une modification d'ampleur de l'esprit de la loi fondatrice de 1905, est volontairement confus, dangereux et à bien des égards contre-productif. Nous voulons donner force à la République laïque. Nous combattons les courants politiques qui veulent entraîner le monde dans une prétendue guerre des civilisations. Nous refusons farouchement toute religion d'État et nous affirmons l'égalité des droits et la liberté de conscience dont découle la liberté de croire ou de ne pas croire et qui se conjugue avec la liberté d'expression et la liberté aussi, j'ajoute, d'être informé. La laïcité n'est pas un outil d'exclusion et de discrimination. Dans ce monde qui fabrique des victimes désunies, nous voulons au contraire les unir. Dans cette société aux multiples fractures où l'on entend si souvent nier les discriminations et le racisme, nous voulons une république pour toutes et pour tous, une république en mouvement vers sa promesse encore tellement inaccomplie. Le président de la République n'en prend pas le chemin. Sa politique est un renoncement permanent à lutter pour faire entrer pleinement dans la vie les principes qui nous rassemblent tous, qui sommes ici aujourd'hui et dans pas mal d'endroits en France. La République doit se donner les moyens humains nécessaires à lutter contre les offensives séditieuses et terroristes. Nous proposons de renforcer les moyens donnés à la mobilisation citoyenne autour d'une laïcité vivante. Nous appelons à un grand plan de lutte contre les discriminations. Nous proposons de développer une école de la République portant en acte le projet de permettre à chaque enfant l'épanouissement. Nous proposons le développement des services publics sur tout le territoire pour porter l'ambition de la République. Le nouvel acte fondateur que nous appelons de nos voeux pour une nouvelle République s'inscrit dans cette volonté laïque d'un refus de toutes les intimidations, de toutes les dominations, de toutes les discriminations et d'un désir profond de démocratie, de liberté, de partage, d'un monde en commun. Je vous remercie. L'hôpital public est condamné à déprogrammer en chirurgie, en cancérologie, permettant ainsi aux privés de gagner beaucoup de parts de marché. La sécurité sociale reçoit l'ordre de payer à guichet ouvert les entreprises et la Cour. Nous considérons qu'il n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui d'unifier les revendications sociales et la lutte pour la défense des libertés démocratiques fondamentales qui passe notamment par le retrait de la loi de sécurité globale. Merci. Démocratique et fragiliser l'économie de la France. On le voit dans les sphères culturelles, commerciales, artisanales. Les mesures liberticides ne se comptent plus. D'une part, il faut sidérer l'adversaire, c'est-à-dire nous, le peuple, les riens, nous obliger à nous raidir de torpeur. Et d'autre part, galvaniser notre fibre de bons citoyens par des prétendus réflexes de bon civisme. Comment a pu en arriver là? Ce qui manque dans ce pays, c'est la connaissance du passé. Trop de lacunes, trop de transmissions tronquées des plus symboliques vérités. C'est pour ça que tout dérape. Plus rien n'a de sens. Parce que tout ça, c'est du matériel dans le lien social. Je vous rappelle juste la rouelle jaune du Moyen-Âge qui précédait l'étoile jaune. Et aujourd'hui, le masque qui avait déjà pour objectif, vous savez quoi? La distanciation sociale. C'était déjà les termes utilisés au Moyen-Âge. Je vous parlais de lien social. Et là, je voulais en venir à cela. Un lien social où la police, comme tout service public, est par essence une clé de voûte. Mais l'est-elle encore, direz-vous, au regard des derniers événements? Quel gâchis, quelle tristesse, après tant de sacrifices de nos aînés qui ont cru nous préserver de ce qui arrive pourtant. La police républicaine, police service public, police lien social, qui aujourd'hui se fait l'instrument d'une distanciation sociale, pas sanitaire, pas sociale. Je me refuse à croire que la police soit autre chose qu'une force qui use de gestes barrières comme le totalitarisme. Son histoire le prouve, son histoire qui est aussi la vôtre, la nôtre. La police, pour moi, c'est celle d'illustres résistants. Et je le fais exprès de le rappeler,
simplement pour que même les policiers se le rappellent parce qu'ils l'ignorent sans doute. La police, pour moi, c'est celle d'illustres résistants comme Achille Vadiadieu, pardon, ou Maurice Espitallier, médaillés entre autres de la Croix de Guerre, membres du réseau Morange, et qui se sont sacrifiés pour sauver nos vertus républicaines. La police, pour moi, c'est celle de syndicalistes résistants, de syndicalistes simplement, comme le gardien de la paix, Noël Rioux, secrétaire général du SGP en 1940, et qui a été sacrifié, Croix de Guerre. Comme François Rouve, qui est révoqué en 1961 par le ministre de l'époque pour avoir déclaré que les gardiens de la paix ont le droit d'avoir une conscience. Ils ont le devoir aussi de l'avoir, la conscience. Comme Xavier Bionnet, que j'ai connu et qui a su résister au ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy. Comme Roland Barbarin, humaniste convaincu. Tout cela, c'était la police, celle que j'ai connue, la vraie police républicaine. C'est un code de déontologie qui n'a pas besoin d'être écrit pour être gravé dans le cœur et dans l'esprit des policiers. Quel visage de la police a-t-on vu au cours des manifestations? Même Alain Bauer, professeur de criminologie, l'a expliqué. Voilà, je pourrais vous décrire tout ce qu'il a dit. Je vais aller plus vite parce que vous avez d'autres choses à déclarer. Mais chacun doit être conscient de ses responsabilités. Malgré tous ces calculs machiavéliques contenus dans cette loi, il se trouve encore des gens pour s'indigner, résister ou simplement énoncer leur vérité. Pour exemple, nous pourrions citer de grands scientifiques, des philosophes, des élites de tous bords qui expriment publiquement le moindre soutien à la dialectique, voire l'opposition que nous animons. Coupables désignés par la caste dirigeante, ces rebelles deviennent la cible particulière d'instances de contrôle dont on peut légitimement douter de leur impartialité et de leur bon sens. Si des lois liberticides prises jusqu'ici s'appliquent à tous sans discrimination, une nouvelle étape sera bientôt franchie par la loi sécurité globale qui se veut d'ignorer nos droits individuels inaliénables du fait même de notre condition humaine. Une discrimination qui touche une partie de la société, prioritairement les opposants. Une discrimination particulièrement grave et insupportable, car dans un pays en guerre, le fait de diviser la population et de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal ressort des violations graves du droit international humanitaire. Rien de moins. Comment peut-on laisser prospérer cette situation ? L'histoire a été témoin de tels agissements qui caractérisent un régime totalitaire. Qui peut croire que les vérités de quelques contestataires, opposants ou manifestants comme vous et moi puissent représenter un danger pour une nation contre la nôtre, comme la nôtre ? Personne. Notre action a été plusieurs fois citée, nos martyrs rappelés, et nous avons tous compris que les Gilets jaunes n'étaient pas un groupe à part, mais qu'ils étaient simplement les éclaireurs d'une situation qu'aujourd'hui tout le monde connaît. C'est pourquoi, avec tous, nous réclamons l'abrogation de la loi d'insécurité globale et toutes les autres lois que tu as citées et dont la liste est proprement effrayante. Nous venons de changer, nous sommes en train de changer de régime. Nous ne sommes plus du tout au régime démocratique, même pas de démocratie parlementaire, puisque le Parlement est réduit aux singeries les plus grotesques, et le pouvoir doit être pris par l'ensemble du peuple. Il n'y a aucune raison que le vent soit privatisé, il est à tout le monde. Il n'y a aucune raison que l'eau appartienne à des compagnies privées. L'eau, c'est la nature qui vient chez nous, même si elle doit passer par un robinet. Il n'y a aucune raison que l'université soit privée, que la santé soit appropriée par des milliardaires qui en plus se font subventionner par tous les tuyaux possibles. Il n'y a aucune raison que l'éducation soit privée. L'ensemble de nos activités sociales doivent appartenir à la société. Merci. Sera l'anniversaire. Alors, les anniversaires, on en fait ce qu'on veut, mais celui-là est plus que symbolique. Ce sera le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Ce gouvernement du peuple, élu par le peuple et pour le peuple. Et je vois dans les médias certaines personnalités politiques se réclamer des Versaillais comme Macron, mais je ne me rappelle plus de sa citation, il a dit « Versailles,
les Versaillais, ce sont ceux qui ont sauvé la République. Il y a le préfet de police, l'Allemand, qui s'est comparé au mois de janvier dernier à Galifée. Le baron ou le duc de Galifée, à qui on doit 30 000 communards, communardes, des hommes, des femmes et des enfants qui se sont battus pour un monde meilleur, tués sur les pavés de Paris. Voilà ce qu'était Galifée. Ouais, c'est ça.